Bonsoir à tout le monde, bonsoir à Jérôme, à Améric et à tous les collègues. J'ai l'énorme plaisir de vous présenter Jérôme Palazzolo, que vous connaissez déjà, qui va parler de la gestion du conflit, de la colère et de l'agressivité entre approche cognitive et manipulation. Alors Jérôme est psychiatre à Nice, il enseigne à l'université, il est professeur de psychologie clinique et médicale à Alexandrie, en Égypte. Je pense que cette année, il est allé pas très souvent, vu la situation. Et il va donc prendre la parole dans quelques instants. D'abord, avant qu'il prenne la parole et avant de passer la parole à mes collègues, je vous rappelle simplement que samedi prochain, il y a un autre webinaire sur les effets psychologiques du Covid. On a des premiers résultats des recherches réalisées par Jonathan Monte et moi-même à Nîmes. Ensuite, il y aura Stéphane Rouzinec lundi et Lucia Romo et Elisabeth Scanferla jeudi 2 juillet à 20 h. Donc, je laisse la parole à Faustine qui va vous donner quelques détails sur les aspects techniques. Et encore une fois, je remercie vraiment Jérôme d'être là ce soir et de nous faire part de son expérience et de ses connaissances. Bien, ben bonsoir à tous. Un grand merci à Pierluigi et la FTCC de m'avoir invité à venir parler d'une thématique qui m'intéresse particulièrement. Alors, j'essaye juste de faire disparaître de mon écran le sondage. Voilà. Et on lance le diaporama. Alors, une thématique sur laquelle on va essayer de passer une petite heure, qui va être tout ce qui concerne la gestion du conflit, de la colère et de l'agressivité. Et on va essayer d'aborder les choses selon un profil TCC et puis selon un profil finalement de communication, parce qu'on se trouve beaucoup dans des techniques de communication. Donc je vous propose deux parties. Une première partie qui va présenter de manière globale un petit peu ce que c'est la colère, ce que c'est l'agressivité, comment on peut traduire ça d'un point de vue cognitivo-comportemental. Puisqu'on a vu sur le sondage qu'il y a à peu près 60% de thérapeutes qui utilisent les TCC régulièrement. Et puis une deuxième partie qui sera un petit peu catalogue, on pourra y revenir dans la discussion, qui va concerner en fait toutes les techniques un petit peu de communication et de manipulation de l'esprit. Alors, pour commencer, déjà, on va essayer de définir ce que c'est la colère et l'agressivité. Alors, la colère et l'agressivité, au départ, ce sont des émotions, bien entendu. Et vous reconnaîtrez à côté le petit schéma de Plutchik, hein, qui donc correspond à l'ensemble des émotions. Et nous avons au départ 8 émotions primaires qui peuvent se conjuguer et donner lieu à des émotions secondaires ou tertiaires. Alors, en fait, une émotion, c'est quoi? C'est un état affectif qu'une personne ressent intérieurement et dont la durée et l'intensité sont variables avec trois composantes de base. Une composante situationnelle, une composante cognitive et une composante physiologique. Alors, je vais vous donner un exemple. Je vais citer mon épouse Karine parce que je crois qu'elle regarde en plus le webinaire. Composante situationnelle, je me trouve dans la rue et j'aperçois ma femme Karine. Composante cognitive, waouh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Composante physiologique, j'ai mon cœur qui bat, mes mains qui sont moites et je me mets à bégayer. Donc finalement, on s'aperçoit que cette émotion, eh bien, c'est un ensemble et qui correspond à des programmes d'action, des réactions de l'organisme à des stimuli spécifiques. C'est-à-dire quelque part, j'aurais rencontré quelqu'un que je ne connais pas, ça m'aurait peut-être pas mis dans tous mes états. En fait, les émotions appartiennent à une dynamique de préservation, c'est-à-dire que ces émotions sont nécessaires pour notre survie. Et souvent, on s'aperçoit lorsqu'on a affaire à des patients qui vont venir nous voir, par exemple, pour des troubles anxieux, que, une fois que la thérapie est terminée, ils vont dire, attendez, c'est pas normal, j'ai fait une thérapie et je suis toujours angoissé. Ben oui, l'angoisse, c'est une émotion. Et l'objectif, ce n'est pas de gommer complètement l'émotion. L'objectif, c'est d'apprendre à la gérer. Donc, en fait, ces émotions appartiennent à une dynamique de préservation.
Si je ne ressens pas d'angoisse, si je ne ressens pas d'anxiété, ben je vais traverser sans regarder s'il y a une voiture ou un bus qui passe et je risque de me faire écraser. Alors, pour ce qui concerne l'agressivité, en fait, on ressent de l'agressivité à partir du moment où quelque chose ou quelqu'un se met en travers de la réalisation d'un besoin ou d'un désir. C'est-à-dire, en gros, je vais commencer à me sentir agressif dans une dynamique de frustration. Je ne peux pas atteindre l'objectif que je me suis fixé, je n'arrive pas à satisfaire mon désir, donc je vais ressentir de l'agressivité. Pour ce qui concerne la colère, le processus est un peu différent. On peut souvent montrer de la colère et voir si l'autre se soumet. Donc en fait, on s'aperçoit que dans ce cadre-là, il y a un rapport à l'autre, il y a un rapport de conflit dans ce cadre-là qui se met en place. Et si l'autre résiste, eh bien à ce moment-là, l'intensité augmente et peut nous pousser à attaquer. Et ça a été beaucoup développé par Tom Lane qui travaille au Canada et qui a beaucoup développé ce type d'études. Alors déjà, dans le cadre de la dynamique cognitive, ben on peut essayer de s'intéresser à cette problématique colère, à cette problématique agressivité. Et on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont plutôt colériques, agressifs. Et dans ce cas-là, ben, si on s'intéresse un peu à la dynamique cognitive sous-jacente, ben, on s'aperçoit que certaines personnes vont avoir une attention sélective aux indices sociaux hostiles, et en particulier aux mots agressifs. Et on a tous dans nos connaissances, on a tous dans notre patientèle, des personnes qui spécifiquement vont être attirées par un élément agressif, par un élément hostile, etc. Alors, par exemple, il y a quelque chose qui est assez amusant dans le cadre des mots agressifs. Je suis navré, je vais dire un gros mot, mais le terme, par exemple, d'enfoiré, pendant des années, a été une insulte, a été quelque chose d'agressif. Et quand on entendait ce mot, ben, on avait tendance à s'énerver. Et puis là-dessus, ben, il y a eu les enfoirés qui sont arrivés, avec Coluche en particulier. Et finalement, ben, aujourd'hui, enfoiré, c'est presque un terme amical. Donc, on voit que ces indices sociaux hostiles ont tendance à se modifier en fonction de la dynamique sociale. Ensuite, il y a aussi une dynamique importante à prendre en compte, toujours dans l'aspect cognitif, c'est la mémoire autobiographique de soi comme une personne colérique. Et là aussi, on connaît tous des personnes dont on sait que ben, c'est des gens qui se mettent facilement en colère et elles le revendiquent d'ailleurs. Point important aussi au niveau cognitif, c'est tout ce qui va concerner les ruminations au sujet des expériences qui provoquent de la colère. Et ça, on a tous eu cette expérience-là, c'est-à-dire qu'on s'est tous retrouvés à un moment donné à avoir des expériences négatives, et puis après, pendant X temps, eh ben, on rumine par rapport à ça, et on se dit, j'aurais dû faire ça, et j'aurais dû lui dire ci, et j'aurais peut-être dû lui mettre un coup de poing dans la figure, ça l'aurait calmé. Et quelque part, ben, on va ruminer ça, et d'ailleurs, il y a eu un premier webinaire très intéressant sur les ruminations, et je vous incite à le revoir. Également la tendance à interpréter le comportement d'autrui comme hostile. Là, on est vraiment dans la dynamique de communication, dans tout ce qui va concerner, eh bien, le verbal, c'est ce que je vais dire. Le non-verbal, c'est la gestuelle, hein. Vous avez vu, moi je suis de Nice, donc je parle beaucoup avec les mains, même quand je suis tout seul devant mon écran. Et le paraverbal, c'est tout ce qui va concerner, le non-verbal, pardon, et c'est tout ce qui va concerner l'intonation de la voix. Donc, en fait, on a ce qu'on dit, on a la manière dont on se comporte et on a l'intonation de la voix. Et certaines personnes ont souvent tendance à interpréter le comportement d'autrui, la manière dont ils parlent, la manière dont ils s'adressent à eux comme étant hostile. Et puis, certaines personnes peuvent avoir aussi un certain profil pour avoir des difficultés à inhiber l'agressivité. Et on s'est aperçu, il y a eu des études assez intéressantes, et en particulier une étude de Denis et collaborateurs qui a été faite en 2012. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup plus d'erreurs si les sujets doivent inhiber leur réponse en observant des visages colériques. C'est-à-dire qu'on va donner une tâche à réaliser à des personnes. Et bah, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés à inhiber leurs réponses émotionnelles à partir du moment où ils vont voir la tête de quelqu'un qui est plutôt colérique et agressif. Et on s'est aperçu que dans ce type de situation, eh ben, on éprouvait aussi d'importantes difficultés à réévaluer la situation ou à se distraire, voire même à refouler des impulsions agressives.
Je pense qu'on a tous vécu le dimanche matin où on part en voiture avec sa petite famille pour aller à la plage, pour aller en montagne, pour aller faire des exercices, ce qu'on veut, des exercices physiques. Et puis, pendant le trajet, on se fait couper la route par un automobiliste énervé qui nous insulte, qui nous fait des gestes pas très agréables. Et ben, le temps de pouvoir se dire, bon, allez, je me pose, je relâche, etc., voire je médite un peu, eh bien, il y a quand même un moment où on a du mal à se distraire et à passer à autre chose. C'est un processus tout à fait normal. Il existe aussi, dans tout ce qui est colère et agressivité, une dynamique comportementale. Alors, par exemple, on va partir sur tout ce qui est la théorie de l'apprentissage social. C'est certain que si, quand on est enfant, on est entouré de manifestations colériques, que les parents se battent à tous les coins de rue, c'est certain qu'on va avoir une image du comportement qu'on peut avoir qui peut être faussée, ou en tout cas un apprentissage qui peut être problématique. Il peut y avoir aussi tout un système d'approche, et c'est quelque chose qui a été pas mal étudié dans les années 2000-2010, c'est tout ce qui est l'impulsion balisère. C'est-à-dire, en gros, ben, la colère, l'agressivité peut être finalement presque une sorte de langage. Vous avez des personnes qui, lorsqu'elles vous parlent, vous avez presque l'impression qu'elles vous agressent. Et c'est quelque chose, ben, qui est vraiment typiquement comportemental. Il faut savoir aussi que tout ce qui va être agressivité et colère peut être impliqué dans le système de lutte et de fuite qui permet à l'espèce humaine de survivre. Le fameux to flight or to fight. Et ça fait partie aussi de la survie de l'espèce. Alors, si on regarde un petit peu les choses au niveau neurobiologique, neuroanatomique, on s'aperçoit que lorsqu'il y a colère, lorsqu'il y a agressivité, eh bien, il y a une activation du cortex singulaire antérieur gauche et qui va être très impliquée dans tout le système d'approche et de détection du conflit. Donc ça, c'est un point important aussi. C'est une sorte, entre guillemets, de sixième sens qu'on va avoir et qui va nous permettre de nous accorder par rapport à un conflit, de détecter le conflit et de nous accorder par rapport à ça. Bien entendu, il peut y avoir aussi une dynamique neuro-hormonale, hein. On sait qu'il peut y avoir une augmentation de testostérone et de l'activité cardiovasculaire suite à la survenue de facteurs de stress en particulier. Et d'ailleurs, même l'inverse est vrai, c'est-à-dire que vous prenez des souris et vous leur injectez de la testostérone et vous vous apercevez qu'au bout de quelque temps, elles vont avoir un comportement beaucoup plus agressif. Également, tout ce qui va concerner une dynamique de réactivité. Et une attitude d'approche à la colère avec un regard direct. Et là encore, c'est une dynamique sociale, une dynamique environnementale. Si vous avez quelqu'un qui est très agressif, le fait de le regarder dans les yeux peut être aussi pour lui un système de dire, ben voilà, on va se déclencher, on déclenche le conflit dans ce cas. Et à l'inverse, ben, un comportement d'évitement peut permettre de diminuer la motivation à l'approche. Par exemple, le fait de baisser le regard, de s'éloigner dans ce contexte. Alors finalement, on peut se poser la question aussi de savoir si tout ce qui va concerner la colère et l'agressivité, eh bien, est-ce que ces dynamiques sont des dynamiques si négatives que ça? Alors là, pendant quelques diapos, je vais me faire un peu l'avocat du diable, mais déjà, on peut se poser la question de savoir ben, si ces émotions ne sont pas aussi une dynamique, on en parlait à l'instant, de survie. C'est-à-dire que ça permet de se protéger d'une agression, de rester vigilant face à une menace, de rester focus, de rester aware. Hein, je cite un philosophe bien connu à ce niveau-là, Jean-Claude Van Damme pour ceux qui le connaissent. Et en fait, on s'est aperçu que lorsqu'on est attaqué par un prédateur, eh bien, ces émotions s'activent pour pouvoir se défendre rapidement et efficacement. Donc, ça veut dire que déjà, à partir du moment où ce sont des émotions qui sont impliquées dans notre survie, ben, on voit déjà qu'au niveau du traitement, qu'au niveau de la prise en charge, on ne va pas chercher à les gommer, on ne va pas chercher à les effacer, on va plutôt chercher, ben, à faire que la personne puisse les gérer au mieux. Également, colère et agressivité peuvent représenter une certaine décharge émotionnelle en cas de douleur physique ou psychologique. Je vous renvoie tous à une expérience que je pense on a tous vécue lorsqu'on se cogne le petit orteil dans la table basse. D'accord? Donc, dans ce cas-là, effectivement, on ne va pas prendre ça avec une grande zénitude.
Il faut savoir que ça fait partie aussi d'un certain sentiment de contrôle, c'est-à-dire un besoin de contrôle, une envie de protéger ce qui nous est cher. Et ça peut représenter aussi une dynamique pour obtenir un certain avantage, pour améliorer notre bien-être, rechercher un certain pouvoir. Quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, eh ben, on a souvent tendance à être agressif. Tiens, je voulais aller au restaurant et j'avais demandé cette table précise. Et puis le jour où je débarque au restaurant, j'ai pas cette table précise. Donc je vais m'énerver et je vais râler et je vais dire, et pourquoi j'ai pas cette table précise? Ça, c'est des vécus d'amis restaurateurs qui vivent ça tous les jours. Également, ces émotions ont tendance à donner de l'énergie. Alors, par exemple, pour se défendre, pour être craint par les autres, voire même en cas de combat, pour gagner contre un ennemi plus puissant, pour défendre ses droits, voire même trouver des solutions créatives aux défis. Et finalement, on s'aperçoit que la colère et l'agressivité, ben, mobilisent les ressources, augmentent la vigilance et facilite finalement certaines capacités qu'on peut avoir à partir du moment où la colère ou l'agressivité sont dissociées de la propension à nuire ou à détruire. C'est-à-dire qu'en gros, ces émotions peuvent représenter une certaine stimulation, mais à partir du moment où effectivement on arrive à les détacher de cette envie de nuire, de détruire l'autre. Point important aussi, toujours pour ben, ces émotions, et se poser un peu la question de savoir si ce sont des émotions si négatives que ça, ben, ces émotions peuvent motiver pour résoudre les problèmes. C'est-à-dire que si les choses ne sont pas comme elles devraient être, colère et agressivité vont nous motiver à surmonter les obstacles pour atteindre l'objectif. Et par exemple, eh bien, certains sportifs de haut niveau peuvent faire part dans certaines compétitions d'une colère, d'une agressivité majeure, et ça va leur permettre de se dépasser, d'atteindre leur objectif. Également, ces émotions peuvent permettre de lutter contre l'injustice, c'est-à-dire ça va être en quelque sorte une sorte de sixième sens qui va détecter les insultes, les dynamiques non respectées, et qui permet de communiquer à autrui notre désapprobation. Ça peut être aussi des moteurs vers nos objectifs. Alors, par exemple, ça peut indiquer que, on va s'éloigner de l'objectif qu'on s'est fixé au départ. Et donc, ça peut être quelque chose, si on apprend, et on va le voir dans tout ce qui peut être thérapeutique, ben, si on apprend à prendre un peu de distance, à prendre de recul et ben, analyser les choses, on peut s'en faire des alliés de ces émotions. Elles stimulent l'optimisme, c'est-à-dire qu'elles peuvent aussi nous encourager à nous centrer sur ce qui est important, en évitant tout sentiment de victimisation et en essayant de mobiliser nos capacités pour atteindre une position désirée. Elles protègent aussi nos valeurs et nos croyances. Et bien finalement, on s'aperçoit que colère et agressivité peuvent être activées lorsque le comportemental n'est pas en accord avec le cognitif, lorsqu'on s'éloigne de nos valeurs. Alors, toujours dans le questionnement de savoir si ces émotions sont si négatives que ça, eh bien, elles peuvent avoir aussi un rôle dans tout ce qui va concerner l'affirmation de soi. Eh bien, par exemple, lorsque l'autre est moins préoccupé par notre bonheur que par le sien, lorsqu'on affirme notre position et on amène l'autre à ce moment-là à reconsidérer sa position. Ça peut même parfois permettre d'améliorer la coopération. C'est-à-dire que, à partir du moment où la colère ou l'agressivité, ben, sont appliquées de manière adaptée, on va dire, ben, tout malentendu peut être dissipé dans ce cadre. On indique à l'autre, ben, qu'on doit être écouté. Ça peut être aussi le moyen de dire, bon, ben voilà, maintenant, je ne suis pas d'accord avec toi et on va essayer de discuter d'une manière un petit peu différente. Ça peut aussi améliorer la position de négociation dans ce cadre-là, c'est-à-dire ça peut amener un compromis, ça peut aider justement à la persuasion. Ça peut permettre aussi de couvrir des sentiments douloureux. Par exemple, même dans le cadre d'un deuil, lorsqu'on ressent des émotions très négatives, et bien dans ce cas-là, la colère, l'agressivité peuvent représenter des émotions superficielles qui empêchent de ressentir une souffrance plus profonde. Toujours dans le questionnement de savoir si ces émotions sont si négatives que ça, ça peut permettre aussi de mieux se comprendre. C'est-à-dire que si certaines situations nous énervent, nous mettent en colère, nous posent problème, ben on peut se poser la question de savoir si ce n'est pas finalement une certaine peur de l'abandon, du rejet.
peur de ne pas être aimé, peur de la perte de contrôle. Et souvent, on a tendance à s'énerver parce qu'on sent que justement, on perd cette notion de contrôle. Les anxieux connaissent bien ce sentiment où ils vont être dans une dynamique d'hyper-contrôle et dès qu'ils perdent ce contrôle, ils ont tendance à exploser au niveau émotionnel. Ça peut permettre aussi, pourquoi pas, de s'améliorer. C'est-à-dire que dans ce cas-là, on va rejoindre un petit peu, pour ceux qui ont travaillé là-dessus, le système du petit vélo de Kunji, qui a été développé donc, par Charlie Kunji, où en fait, on a dans une dynamique relationnelle thérapeutique, le thérapeute, le patient et la relation. Et dans ce cadre-là, il est important que le thérapeute puisse régulièrement s'observer, puisse régulièrement être dans une dynamique où il perçoit ses propres problématiques, ses émotions, ses sensations. Ben là, on peut utiliser cette dynamique-là, c'est-à-dire qu'en gros, si on ressent de la colère, on ressent de l'agressivité, on peut essayer d'observer ses défauts, essayer de comprendre quels facteurs déclenchants nous mettent en colère, en gros, quel schéma ça active chez nous, comment y répondre. Et ça peut permettre finalement de comprendre comment améliorer notre qualité de vie et comment améliorer nos relations sociales. Ça peut permettre aussi d'améliorer l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire qu'être en phase avec ses émotions plutôt que d'éviter ou de les refouler, ça peut permettre d'être plus flexible psychologiquement et finalement de choisir une réponse adaptée et de développer une certaine résilience. Alors, là, on a vu un petit peu ce qu'il en était au niveau de la colère, au niveau de l'agressivité. Maintenant, on va essayer de voir, bon, assez rapidement, hein, parce que sinon, il faudrait que le webinaire dure 3 jours et demi, mais on va essayer de voir ensemble comment arriver à traiter colère et agressivité. Parce que comme toute émotion, comme l'anxiété, comme d'autres types d'émotions, la tristesse, à partir du moment où ces émotions ne sont pas adaptées à la situation, à partir du moment où ces émotions sont trop importantes, moi j'aime souvent donner à mes patients l'image d'un barrage. C'est-à-dire que vous avez un barrage rempli d'eau, pas de problème. Maintenant, si l'eau monte et que ça commence à déborder, là, ça commence à poser problème. Eh bien, c'est pareil pour les émotions. C'est-à-dire que l'objectif, c'est de permettre au patient de mieux gérer sa dynamique émotionnelle. Alors, plusieurs types d'approches ont été proposées. Alors, il y a un type d'approche qui s'appelle la thérapie dialectique comportementale. On va en donner quelques exemples, qui est vraiment une thérapie plutôt prometteuse dans ce cadre-là. Les TCC, entre guillemets, dites classiques, qui finalement ont une efficacité plutôt modérée dans tout ce qui va concerner l'approche de la colère, de l'agressivité. Et puis, une approche médicamenteuse. Alors, l'approche médicamenteuse, on en dit quelques mots. Il est important, avant de se lancer dans des traitements, dans des prises en charge, de voir si par hasard, la personne qu'on a en face ne prend pas certains médicaments qui peuvent augmenter la colère ou l'agressivité. Par exemple, on le sait, les corticoïdes, certains anti-inflammatoires, peuvent majorer le sentiment d'agressivité, d'irritabilité lorsqu'ils sont pris. La testostérone, bien entendu. Les benzodiazépines, le Xanax, l'Exomil, Temesta, Seresta, Valium, Tranxène, Lisantia. Ces médicaments, souvent, peuvent être donnés par le médecin généraliste, par le médecin traitant, pour apaiser la personne. Alors qu'en fait, ce sont des médicaments qui valident plutôt un potentiel agressif. Donc ça, il faut faire attention avec ces traitements-là. Et bien entendu, tout ce qui va concerner les opiacés, les traitements contre la douleur. Donc, c'est quand même des points importants. Par rapport au traitement de tout ce qui concerne la colère et l'agressivité, alors il y a plusieurs médicaments qui sont proposés, plusieurs médicaments qui ont été testés. Alors finalement, il y a un intérêt modéré pour les antipsychotiques, pour les antidépresseurs, pour les anticonvulsivants et les bêta-bloquants. Il y a eu beaucoup d'études là-dessus, mais il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné uniquement pour traiter ces émotions. Par contre, dans certains troubles de personnalité sévère, les antipsychotiques peuvent avoir un intérêt intéressant dans ce cadre. Les antidépresseurs, pas vraiment. Ceux qui agiraient le mieux seraient plutôt les régulateurs de l'humeur. Donc, dans ce cadre, il y a eu des essais qui ont été faits par rapport à des régulateurs d'humeur de type anticonvulsivant, le Dépakote, la Dépamide, le Lamictal. Et on a eu des résultats assez intéressants dans le traitement de l'agressivité et de la colère dans certains troubles de personnalité. Alors, on dit quelques mots de la thérapie dialectique comportementale.
Alors en fait, une des conditions pour entrer dans ce type de prise en charge, ben c'est typiquement l'acceptation radicale de tout ce qui va concerner sa propre personne et de ce qui est. C'est-à-dire, c'est souvent un énorme défi, et c'est pour ça d'ailleurs que ce type d'approche fait partie de tout ce qui va concerner les thérapies de troisième vague. Et ce qui est assez intéressant, c'est que finalement, ce sont des approches qui sont pas énormément utilisées en France, en fait. Les Canadiens l'ont pas mal abordé. Nous, bien sûr, hein, il y en a qui pratiquent, mais pas énormément. Nous, on est beaucoup plus dans tout ce qui va être un petit peu thérapie des schémas, dans ce cadre. Mais la thérapie dialectique comportementale en tant que telle n'est pas toujours très, très utilisée. Mais donc, bien sûr, donc, à partir du moment où elle fait partie de tout ce qui concerne les thérapies de troisième vague, ben, le patient va apprendre à s'auto-observer, à vivre en toute conscience le moment présent, à faire attention à une dynamique concernant ce qu'il s'y passe, plutôt que de fuir, cliver, scotomiser le comment, du pourquoi de la situation. Il apprend également à observer consciencieusement l'expérience vécue en distinguant certains niveaux d'expérience. On en parlait tout à l'heure, l'objectif, c'est d'essayer de faire la part des choses entre nos sensations, nos pensées et l'événement qu'on vit, et faire la part aussi avec la dynamique ben, confusionnelle qui peut être présente dans ce cadre-là. Et l'objectif, c'est que la personne apprenne à participer en développant sa capacité à s'engager, alors sans se distancier ni s'auto-observer en permanence. L'objectif, c'est pas non plus de se regarder le nombril en continu, mais l'objectif, c'est d'être en interaction fluide et spontanée avec l'environnement et aussi abandonner ce fameux besoin d'avoir raison. On s'aperçoit que de nombreux conflits ben, sont liés à ça. C'est-à-dire, en gros, on va être en conflit avec la personne parce qu'on a besoin d'entendre qu'on a raison. Alors, pour les patients qui vont avoir tendance à entrer dans un stress important, ben, l'objectif, c'est d'essayer d'observer de manière méthodique tout ce qui va être montée de stress, abaissement de la tension par la gestion des crises. Et justement, ça, c'est un apprentissage primordial. Je le répète, on est vraiment dans une dynamique où on prend de la distance, on prend du recul et on essaye de s'observer. On apprend à réguler les émotions et à augmenter tout ce qui va concerner les événements émotionnels positifs. Donc l'objectif, bah, une des manières de contrôler les événements, bah, c'est de contrôler les émotions qui les produisent. On dit souvent, le sage ne se trouve jamais sur les lieux d'un combat et tout combat gagné est un combat évité. Alors en fait, l'objectif, c'est d'essayer d'agir de manière réfléchie, créative et non impulsive. Alors par exemple, et on revient un petit peu sur les thérapies de deuxième vague, voire même de première vague, eh ben, l'objectif, ça va être par exemple de faire quelque chose de gentil si on est en colère. Hein, et on ne peut pas, dans le même temps, avoir à la fois des sentiments colériques et faire quelque chose de gentil. Donc, on essaye de travailler dans ce contexte-là. Il existe aussi, dans ce type d'approche, des modules de développement de compétences relationnelles qui vont permettre aux patients de mieux utiliser ces compétences dans les relations interpersonnelles. Et l'objectif, c'est quoi? Ben, c'est de moins osciller entre évitement et confrontation massive. L'objectif, c'est d'éviter de faire du on-off, en fait, hein. Alors, en fait, l'objectif dans ce type d'approche, ben, c'est aussi de travailler sur la dynamique de pleine conscience, c'est-à-dire que ben, cette acceptation apprise au travers de la pleine conscience, ben, ça va permettre aussi de tolérer des progrès limités, de tolérer aussi certaines rechutes, la rechute faisant partie de la dynamique globale. Là encore, on n'est pas dans du on-off, c'est pas je suis guéri ou je suis malade, hein, on est dans cet entre-deux. Et l'objectif, c'est de pouvoir obtenir finalement des conditions préalables à une vie plus satisfaisante, ben, parce que là, on se donne des objectifs réalistes. Alors en fait, finalement, le but, c'est de se donner la capacité de prendre soin de soi, sans pour cela devoir se débrouiller tout seul tout le temps. Et le but, c'est d'essayer d'être en lien, sans non plus être dépendant de l'autre ou dépendant de la relation. Alors en fait, comment ça va se passer? Donc, on va travailler déjà
sur une identification physique, c'est-à-dire la réponse corporelle, qu'est-ce qui se passe quand je m'énerve, quand je suis en colère, sur la réponse cognitive, les pensées, et sur la réponse comportementale, l'action, ce qu'on fait. Et finalement, l'objectif, ben, en s'intéressant à ces éléments-là, ça va nous permettre d'identifier l'émotion plus rapidement. Parce que souvent, lorsque on dépasse certaines limites, lorsqu'on a une grosse colère, lorsqu'on a été très agressif, voire même lorsqu'on s'est battu, ben on se dit « mince, finalement, si j'avais identifié l'émotion plus rapidement, j'aurais pu complètement désamorcer la problématique. » Se demander également quelle action va avec l'émotion. Qu'est-ce qui se passe quand je m'énerve? Et en fait, on a tous un profil différent en fonction de nos valeurs, de nos schémas, bien entendu. Mais finalement, il y en a quand ils vont s'énerver, qui vont se mettre à hurler, il y en a qui vont taper, il y en a qui vont se renfermer sur eux-mêmes. Mais qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Est-ce que je peux diminuer ma colère? Est-ce que le fait de diminuer ma colère, ça m'aide à m'affirmer? Ou est-ce que finalement, ça va endommager la relation ou même empirer le problème? Et ça, c'est quelque chose d'assez amusant lorsqu'on travaille ça avec les patients. C'est-à-dire, on va se dire, ben, essayez de vous souvenir d'une grosse colère que vous avez eue. Alors, en général, on va chercher la colère la plus simple, hein, c'est la colère dans le couple. Donc, la dernière engueulade que vous avez eue avec votre femme, qu'est-ce qui s'est passé? Ah ben, ce jour-là, alors vraiment, qu'est-ce qu'elle a gueulé? Elle m'a mis plein la tête, elle a hurlé toute la soirée, elle m'a boudé, elle a fait des tas de trucs. Et vous vous êtes engueulé pourquoi au départ? Je ne me souviens plus. Finalement, ce qui a été prépondérant, c'est l'émotion. Mais on s'aperçoit que le message n'est pas toujours bien passé. On va essayer de déterminer aussi avec le patient quelle est l'action contraire. C'est-à-dire qu'en gros, quand je suis en colère, je sais ce qui se passe. Mais qu'est-ce que je peux faire pour avoir une action typiquement contraire, typiquement opposée à ça? Et dans ce cas, comment procéder pour faire cette action contraire de manière totale? On peut retrouver aussi des techniques de méditation de pleine conscience dans ce contexte, c'est-à-dire centrer l'attention sur les sensations physiques plutôt que sur l'interprétation de ces sensations physiques. Alors, qu'est-ce qu'on va essayer de travailler dans ce type d'approche? Ben, on va essayer, par exemple, d'éviter gentiment le conflit plutôt que d'attaquer directement, parce qu'on sait que l'agressivité entraîne l'agressivité en regard. On va essayer de ne pas ruminer. Je vous renvoie au webinaire qui est sur la chaîne de la FTCC. On va essayer de se distraire, d'amener des pensées alternatives, des comportements alternatifs, de faire quelque chose de gentil. Alors, je vous assure, ça peut être comme ça facile à dire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, quand vous êtes au summum de votre énervement et de votre colère, on essaye de faire quelque chose de gentil. C'est pas toujours évident, d'accord? On repart sur la querelle de couple. Si vous vous engueulez avec votre compagne, eh bien, dans ce cas-là, peut-être que vous allez lui proposer un verre, vous allez lui proposer de lui faire couler son bain, alors que vous avez qu'une envie, c'est l'étrangler. Ben, c'est pas toujours évident, mais ça se travaille et c'est quelque chose qui est très positif dans la dynamique justement de préservation de la relation. Considérer aussi son point de vue à soi et considérer le point de vue de l'autre sans les blâmer. C'est-à-dire d'essayer de comprendre en quoi moi je peux avoir raison et en quoi l'autre peut avoir raison. Sourire, alors je ne dis pas que le sourire sera très naturel, parfois ça peut être un sourire un peu tiré, hein, un peu tendu, mais c'est important aussi. Garder les mains ouvertes, parce qu'on s'est aperçu là aussi que quand on commence à s'énerver, on a tendance à serrer les poings, on a tendance à serrer les mâchoires, et bien entendu se défendre, mais uniquement si c'est nécessaire. Hein, ceux qui savent se battre, en général, c'est ce qu'ils font. Hein. On dit toujours, j'en parlais tout à l'heure, qu'un combat évité est un combat gagné. Alors, les TCC, entre guillemets, plus classiques, n'ont pas un intérêt vraiment très majeur dans tout ce qui est gestion un petit peu de l'agressivité et de la colère. Mais encore que, ça y est, on peut utiliser des techniques pour essayer d'améliorer la personne. Alors là, on va passer assez vite là-dessus. Mais par exemple, on va essayer d'augmenter la motivation à changer. On va travailler sur tout ce qui est dynamique de changement, sur l'entretien motivationnel dans ce cadre-là. Alors par exemple, on va permettre au patient de considérer les inconvénients
de la colère et de l'agressivité. Quel est l'impact sur votre santé? Alors, par exemple, l'anxiété, la dépression, l'hypertension, les troubles du sommeil, les troubles alimentaires, etc. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de vous engueuler, vous savez, juste sur le petit moment où vous allez fermer les yeux, juste au moment où vous allez dormir. Et puis, juste à ce moment-là, vous lancez le sujet qui va bien vous pourrir la soirée. Et le lendemain, ben, vous vous apercevez que vous avez fermé l'œil pendant une heure parce qu'en fait, vous avez passé la nuit à ruminer, à vous énerver tout seul. Considérez aussi les inconvénients sur les relations interpersonnelles. Souvent, on va dire « Ah, mais excuse-moi, je t'ai dit quelque chose alors que j'étais très énervé, mais je ne le pensais pas ». Certes, l'autre peut le comprendre, mais en tout cas, les mots font mal. Et ce qu'on a dit, ça peut pourrir un petit peu, voire beaucoup, la relation. Dynamique aussi de l'estime de soi. Si j'arrive à gérer mes émotions négatives, si j'arrive à gérer ma colère et mon agressivité, ben, j'aurai par définition une meilleure estime de moi-même. Attention à la consommation de produits. Quelqu'un qui va être souvent en colère, souvent énervé, va avoir tendance à consommer des anxiolytiques, on l'a vu tout à l'heure, qui ne sont pas adaptés, voire même certains toxiques, de l'alcool, voire du cannabis, etc. Et on sait que ce n'est pas adapté du tout dans ce type de problématique. Ça peut entraîner des problèmes professionnels. Bien entendu, si j'ai un patient qui m'énerve et pendant ma consultation, je lui mets un coup de tête, je vais avoir quelques légers soucis. Hein. Je suis psychiatre, je suis professionnel, je ne suis pas dans un octogone de MMA. Et puis, des problèmes judiciaires, hein, bien entendu, ça peut poser soucis. Alors, dans ce cadre, on va amener la personne à se poser des questions. Est-ce qu'il existe des alternatives? Car finalement, la colère, l'agressivité, ben, on le voit, ça ne résout pas le problème, ça a tendance à augmenter de manière exponentielle et ça induit une souffrance. Souffrance chez l'autre et souffrance chez soi. Donc finalement, on va essayer d'imaginer comment serait ma vie si je réussissais à diminuer ma colère et mon agressivité. Alors, on va travailler sur tout ce qui va être technique un petit peu d'auto-observation. On va noter tout ce qui déclenche la colère et l'agressivité. Et on a chacun en fait des profils. Hein. On s'aperçoit qu'il y a des fois où on va s'énerver sur certains plans et pas du tout sur d'autres. Ben, c'est important d'essayer de repérer ça. Qu'est-ce qui maintient la colère ? Les substances, l'insomnie, la mauvaise hygiène de vie, les ruminations, la maladie, le stress, les facteurs sociaux, l'isolement, les soucis financiers, etc. Ben, c'est important d'essayer de repérer tout ça. Également, savoir s'extraire d'une situation problématique lorsque c'est nécessaire. Comment éviter le conflit ? On va en dire deux mots, on pourra y revenir dans la discussion. Peut-être utiliser aussi des fiches-outils pour prendre de la distance. Quoi faire quand ma colère atteint 8 sur 10 et peut-être déjà quand ça atteint 4 ou 7 sur 10, ben est-ce que je ne peux pas déjà essayer de tempérer un petit peu les choses? Est-ce que je ne peux pas essayer de mettre en place des techniques pour éviter d'en arriver là? Relaxation, méditation, distraction, respiration. Mais encore faut-il que ces techniques, je les maîtrise. C'est sûr que quand on commence à être très, très, très énervé, c'est facile de dire « je vais faire la méditation de la montagne » ou « je vais respirer » ou « je vais m'imaginer sur une plage en train de me détendre ». On va essayer aussi de reconsidérer les pensées qui alimentent la colère et l'agressivité, tout ce qui va concerner les biais d'interprétation, avec tout ce qui va concerner aussi ben, les contextes de maximalisation, de minimalisation, de généralisation, hein, toutes les fameuses distorsions cognitives sur lesquelles on travaille justement dans les thérapies de deuxième vague. Travaille également sur l'affirmation de soi. On sait que, par exemple, quelqu'un qui va souffrir de phobie sociale aura tendance à agir lui aussi dans le on-off. C'est-à-dire que soit il dit rien, soit quand il dit, ça peut exploser. La dynamique d'exposition en imagination, d'exposition in vivo, comment faire face aux situations difficiles avec ces nouveaux outils, et puis donc utilisation d'outils appropriés, la relaxation, on en parlait, la mindfulness, la distanciation, l'écoute attentive, une attitude calme et réfléchie, l'empathie. Ça, c'est un point très important. Souvent, dans les formations qu'on peut faire au niveau professionnel, sur tout ce qui est gestion de la colère et de l'agressivité pour des professionnels, ben, on s'aperçoit que le public qui vient voir le professionnel va se mettre à hurler, va se mettre à avoir des comportements agressifs, tout simplement parce qu'il veut être
entendu. Et donc, dans ce cadre-là, c'est un point important. Et souvent, on se fait soi-même avoir, hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de commander quelque chose sur Internet. Je reçois le produit tout cassé. Je téléphone au livreur. Et on me dit, ah oui, ben, on comprend que vous soyez énervé. Nous sommes navrés, etc. Et moi, je m'étais fait tout mon film à m'énerver. Je vais lui dire ci, je vais lui dire ça. Et rien que de dire qu'il comprend ce que je ressens, ben, ça me coupe tout mon effet. Donc, ça, c'est une dynamique importante. Et puis, tout ce qui va être technique de résolution de problèmes. Alors voilà un petit exemple hein, de fiches d'auto-observation, par exemple. Donc c'est arrivé quand, à quelle heure, vous savez, hein, toujours pareil, dans les fiches d'auto-observation, on essaye toujours d'être le plus précis possible. Quand, à quelle heure, dans quelles circonstances, etc. Donc la date, 24 juin à 20h, au hasard. Événement déclencheur, ma femme me reproche de ne rien faire à la maison. Facteur aggravant, ben, en plus de ça, j'ai bu quand même 3 verres de whisky pour me détendre d'une journée difficile. Premier signe, je suis tendu, j'ai les mâchoires serrées, je commence à sentir que ça ne va pas. Intensité de l'émotion, 7 sur 10. Pensée qui alimente l'émotion, elle n'est jamais contente, j'ai jamais une minute tranquille après tout ce que j'ai fait pour elle. Et puis, on va essayer de déterminer les conséquences sur tout ce qui va concerner les réactions physiologiques, le comportement, les pensées, etc. Hein, les fiches d'auto-observation qu'on fait habituellement en thérapie, ben là, on va essayer de les appliquer à cette problématique. Aussi, toujours la fiche avantage-inconvénient. Avantage à changer, inconvénient à changer, hein, on l'a vu. On peut avoir de la colère et de l'agressivité. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de si négatif que ça. Et puis, mes motivations, je veux mieux gérer ma colère et mon agressivité car… Et on essaye de développer cette dynamique. La fiche de Beck, situation, émotion, pensée automatique, pensée alternative et dynamique de changement qu'on peut essayer de mettre en œuvre. Et là aussi, c'est quelque chose qui fonctionne pas mal. Fiche de Beck qu'on peut faire en séance, qu'on peut faire entre les séances. Et l'idéal, c'est que le patient puisse adopter ce type de fiche en situation lorsqu'il en ressent la nécessité. Alors voilà un peu ce qu'on pouvait évoquer au niveau de tout ce qui concerne l'aspect, on va dire, cognitivo, comportemental et explicatif un petit peu des émotions. Alors en fait, si maintenant on veut essayer d'être dans tout ce qui concerne les méthodes de résolution de conflits, eh ben on s'aperçoit que lors d'un conflit, le comportement d'un sujet va s'établir selon deux tendances ou deux dimensions différentes. Tout d'abord, la détermination qui va définir dans quelle mesure l'individu va tendre à satisfaire ses propres aspirations personnelles. Et puis, la coopération qui définit dans quelle mesure l'individu va chercher à satisfaire les aspirations de l'autre. Alors, avec ces deux dimensions fondamentales hein, du comportement, ben, on va pouvoir définir 5 méthodes différentes de résolution du conflit. Alors, il n'y a pas une méthode qui est meilleure qu'une autre. Il n'y a pas une méthode qu'on va utiliser en systématique à chaque fois. Ça va dépendre ben, de notre structure de personnalité. Ça va dépendre de la situation dans laquelle on se trouve. Mais l'objectif, là aussi, c'est d'en avoir conscience pour essayer ben, de résoudre le conflit de la manière la plus adaptée possible. Alors, voilà quelques exemples donc, des méthodes de résolution de conflits, toujours avec la détermination et la coopération. Alors, première dynamique, c'est le fait de rivaliser. Alors, dans ce cas-là, on a une bonne détermination, mais par contre, un certain manque de coopération. Problème, c'est que là, on va directement à la confrontation. Un sujet qui rivalise va satisfaire ses propres aspirations aux dépens de celles d'une autre personne, en utilisant tous les moyens que lui va juger appropriés pour affirmer sa propre position. Cela dit, comme je l'ai évoqué à l'instant, ce n'est pas quelque chose de systématiquement négatif, c'est-à-dire que rivaliser, ça peut signifier faire valoir ses droits, défendre une position que l'on croit juste, ou simplement parfois essayer de gagner dans une dynamique de compétition, par exemple. Deuxième dynamique de résolution de conflits, la collaboration. Alors dans ce cas-là, la collaboration, on a à la fois une bonne dynamique de détermination et une bonne dynamique de coopération. C'est-à-dire que le sujet qui collabore avec une autre personne va essayer de trouver une solution propre à satisfaire pleinement les aspirations des deux parties.
Alors pour cela, il est important d'identifier attentivement le problème, ben afin aussi d'identifier les besoins des deux protagonistes et de trouver une solution qui corresponde aux soucis des deux parties. L'analyse approfondie du désaccord, ben l'objectif c'est quoi? Ben c'est de tirer profit de la manière de penser de l'autre par la résolution d'une question susceptible de créer une rivalité ou par une confrontation et une tentative de recherche d'une solution créative à un problème interpersonnel. En gros, ben on a tous les deux un problème, on va essayer de collaborer pour résoudre ce problème qui nous est propre et qui nous est commun. Troisième élément, chercher un compromis. Alors là aussi, ça nécessite d'avoir une bonne détermination et une bonne coopération. Là, la différence par rapport à la coopération, c'est que cette attitude consiste à rechercher une solution moyenne, partiellement satisfaisante et acceptable pour les deux parties. En gros, c'est un peu l'intermédiaire entre rivaliser et céder. C'est-à-dire que dans ce cadre, ça n'introduit plus de compétition, mais l'objectif, ce n'est pas non plus de tomber dans une concession. La recherche d'un compromis, ça conduit à aborder un problème de manière plus adaptée que par un comportement d'évitement. Mais à côté de ça ne le profondit pas autant qu'une attitude de collaboration. En gros, l'objectif, c'est de faire la part des choses, faire des concessions ou rechercher rapidement un entre-deux. Quatrième dynamique, c'est l'évitement. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas beaucoup de résolution, il n'y a pas beaucoup de coopération. C'est-à-dire que sur le moment, le sujet qui évite, il ne satisfait ni ses propres besoins, ni ses propres aspirations, ni celles de l'autre. En gros, lui, il ne va pas traiter le conflit. L'évitement, ben ça peut prendre aussi la forme d'un contournement diplomatique de la difficulté, hein, d'un report de problème, tout ce qui va concerner la procrastination, par exemple, c'est une dynamique d'évitement, jusqu'à ce que les circonstances soient plus favorables, ou alors simplement une retraite devant une situation menaçante. Quand j'ai quelqu'un qui mesure 2,20 m et qui est dixième dan d'aïkido, ben il veut prendre mon siège, je lui dis, bon, ben ok, tiens, voilà mon siège, et puis je ne vais pas chercher plus loin que ça. Cinquième dynamique de résolution de conflit, le fait de céder. Alors dans ce cas-là, il y a aussi un manque de résolution et un manque de coopération. C'est-à-dire que pour le coup, là, c'est complètement le contraire d'imposer. Le sujet néglige ses propres aspirations pour satisfaire celles de l'autre. Quelque part, là, il y a une part de sacrifice dans ce type d'attitude. Après, céder, ça peut vouloir dire faire preuve de générosité ou de charité désintéressée. Obéir à un ordre qui déplaît, ou même courber la tête devant l'opinion de quelqu'un d'autre. Donc, c'est ce qu'on disait, hein, au niveau de ces méthodes. Il n'y a pas une méthode qui est adaptée en toutes circonstances ou une méthode qui ne l'est pas. L'objectif, c'est d'essayer, bah, d'interagir avec l'autre pour essayer de trouver la meilleure solution. Donc, finalement, si on reprend un petit peu les choses, on peut schématiser, les choses comme ici. C'est-à-dire que la consigne, alors là je vais citer un autre philosophe, là c'est Bruce Lee, qui disait Be like water, my friend. C'est-à-dire qu'en gros, l'objectif c'est d'être souple, d'éviter tout ce qui va être la psychorigidité dans ce contexte. On va s'adapter à la chose. Justement, Bruce Lee disait que si tu prends de l'eau, tu le mets dans une théière, ben, elle va prendre la forme de la théière. Maintenant, tu la mets dans une assiette, elle va prendre la forme de l'assiette. Ben, l'objectif c'est un peu ça. Et finalement, on s'aperçoit que ben, rien que sur cette dynamique de coopération et de détermination, ben, on arrive à déterminer les cinq profils qu'on a évoqués. Alors, lorsque l'objectif primordial et la qualité de la relation est négligeable, ben là, on rivalise. Lorsque l'objectif est négligeable et la qualité de la relation est primordiale, dans ce cas-là, on cède. Lorsque l'objectif et la qualité de la relation sont tous les deux primordiaux, ben là, on va collaborer. Lorsque l'objectif et la qualité de la relation sont négligeables, ben là, on va éviter. Et lorsque l'objectif et la qualité de la relation sont importants, mais pas plus l'un que l'autre, ben on va chercher un compromis. Voilà, l'objectif, c'est d'essayer de trouver ce qui convient le mieux à une situation spécifique. Alors, ce que je vous propose maintenant, alors là, ça va faire un petit peu catalogue. On va essayer de passer assez rapidement sur ces éléments, mais là, on est beaucoup plus dans le domaine de la manipulation et dans le domaine de la communication. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on se retrouve dans un conflit, on va utiliser, en le sachant ou sans le savoir, différentes techniques pour, là encore, éviter l'affrontement.
Alors, je vous ai listé quelques éléments. Alors là, on va parler des techniques de manipulation de l'esprit. Je crois qu'il nous reste un petit quart d'heure. On va essayer d'aller assez vite. Et le reste des techniques, on va certainement les passer. Et puis, si vous avez des questions là-dessus, on y reviendra. Et de toute façon, je vous fournirai le diaporama. Alors, première technique de manipulation de l'esprit, ça va être l'argument d'autorité anonyme. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est utiliser comme source des experts, entre guillemets, ou des études, entre guillemets, anonymes, voire même des groupes généralisés, comme par exemple le font certains scientifiques, pour affirmer que quelque chose est vrai. Exemple, il paraît qu'il faut minimum 7 ans pour digérer un chewing-gum qu'on a avalé. L'argument d'autorité. Alors l'argument d'autorité, dans ce cadre-là, on est en plein dedans avec la crise du Covid. C'est quoi? L'argument d'autorité, c'est prétendre que quelque chose est vrai parce qu'un expert, souvent douteux, affirme que c'est vrai. Exemple, plus de 400 éminents scientifiques et ingénieurs remettent en cause le réchauffement climatique. Toujours sans citer de sources, ou en tout cas citer des sources qui ne sont pas adaptées, parce que des sources non adaptées, je vais vous dire, vous trouvez n'importe quel élément, n'importe quelle affirmation, vous allez taper sur Internet, la Terre est plate, et vous allez toujours trouver un grand scientifique qui va vous le prouver. Hein. L'appel à la pratique courante. Alors là, c'est quoi ce truc-là? Ben, l'appel à la pratique courante, c'est prétendre que quelque chose est vrai parce que c'est une pratique courante. Exemple. Cette banque a de gros problèmes de corruption, mais en fait, pas plus que d'autres établissements financiers. L'appel à l'ignorance. Alors, l'appel à l'ignorance, ben, c'est partir du principe qu'une déclaration est considérée comme vraie tant qu'elle n'a pas été démontrée fausse, ou fausse tant qu'elle n'a pas été démontrée vraie. Exemple, personne n'a prouvé que Dieu existe. Donc, je suis certain qu'il n'existe pas. Autre élément, l'appel à l'incrédulité. Alors l'appel à l'incrédulité, qu'est-ce que c'est? Ben, en gros, parce qu'une déclaration semble complètement incroyable, elle ne peut pas être vraie. L'œil est une machine biomécanique incroyablement complexe, contenant des milliers de composants imbriqués. Comment tout ça pourrait exister sans être le produit d'une cause intelligente? Et dans ce cas-là, je vous laisse imaginer toutes les théories qu'on peut développer derrière. L'appel à l'argent. Alors, l'appel à l'argent, en gros, c'est croire que si quelqu'un est riche ou que quelque chose est cher, ça va affecter la vérité d'une déclaration. En gros, plus c'est cher, mieux c'est. L'argument de la nouveauté. Alors, dans ce cas-là, c'est quoi? C'est croire que quelque chose est mieux parce que c'est nouveau ou plus récent. Ah, génial! La dernière version de ce système d'exploitation rendra mon ordinateur plus fiable et plus rapide. Je vous renvoie aux avant-dernières versions de Windows. Personnellement, j'ai essayé et je suis passé chez Mac. La raison de la majorité. Alors, c'est quoi? Ben, ça, c'est prétendre que quelque chose est vrai parce que la majorité des gens le croient. Le lait, c'est essentiel pour la bonne santé des os. La manipulation des probabilités. Alors, dans ce cas-là, c'est prétendre que quelque chose est qu'un événement, pardon, qu'un événement peut arriver. À partir du moment où, si cet événement peut arriver, ben, il va arriver à coup sûr. Exemple, il y a des milliards de galaxies composées chacune de milliards d'étoiles dans l'univers. Il est donc certain qu'il existe une autre planète où une vie intelligente est apparue. Effectivement, on peut le croire, mais de là à l'affirmer, on ne sait pas. Autre élément dans les techniques de manipulation de l'esprit, l'appel à la tradition. L'appel à la tradition, c'est prétendre que quelque chose est vrai, car il en a toujours été ainsi. Exemple, le mariage est l'union entre un homme et une femme. Donc, le mariage gay est immoral. Donc, ça, ce sont des techniques qui sont très utilisées. Alors, bien entendu, hein, dans ces techniques-là, vous allez retrouver, en plus, en ce moment, on est dans des périodes électorales, vous allez retrouver tous les discours de nos chers politiques, hein, qui, en général, donnent ce type d'argument. Alors, ensuite, on a encore quelques minutes, les techniques de déduction erronée. Alors, qu'est-ce que c'est que ces techniques-là? Premier exemple de technique de déduction erronée, les preuves anecdotiques. Alors, les preuves anecdotiques, c'est ignorer les preuves obtenues par la méthode scientifique et préférer les anecdotes personnelles. Exemple, je vais continuer à fumer, mon grand-père fumait 2 paquets de cigarettes par jour et il est mort à l'âge de 90 ans.
Donc, pas de souci dans ce cas-là. La composition. La composition, c'est quoi? C'est prétendre que les caractéristiques ou les conditions d'une partie d'un groupe s'appliquent à la totalité du groupe. Exemple, les derniers attentats terroristes ont été perpétrés par des islamistes, donc tous les terroristes sont des musulmans. La division, c'est quoi? Ben, c'est prétendre que les caractéristiques ou les convictions d'un groupe s'appliquent obligatoirement à tous les individus du groupe. Exemple, beaucoup de conservateurs souhaitent interdire le mariage gay, on en parlait tout à l'heure, n'approuvent pas l'existence d'un réchauffement climatique et nient la validité de la théorie de l'évolution. Donc, tous les conservateurs sont des créationnistes homophobes anti-écolo. L'argument du design. Alors, l'argument du design, qu'est-ce que c'est? C'est croire que si quelque chose est joliment conçu ou admirablement mis en valeur, c'est davantage vrai. Et dans ce cas-là, je vous renvoie à certaines études publiées récemment dans le Lancet, où à partir du moment où l'étude est bien formatée, elle est jolie, il y a des belles statistiques, c'est publié dans le Lancet, alors c'est automatiquement vrai. Ben, malheureusement, on a appris avec l'actualité que dans le Lancet, il peut y avoir aussi des choses qui ne sont pas toujours très scientifiques. L'erreur du parieur. Alors, l'erreur du parieur, c'est quoi? C'est croire qu'une série d'événements indépendants passés affectera des événements futurs. Exemple, j'ai joué 10 fois d'affilée à pile ou face et je n'ai obtenu que des piles. Donc, au prochain essai, j'ai plus de chances d'obtenir face. La généralisation hâtive. Alors, la généralisation hâtive, qu'est-ce que c'est? C'est tirer une conclusion générale à partir d'un petit échantillon. Exemple, la conductrice devant moi vient de me couper la route, les femmes ne savent pas conduire. C'est un propos qu'on n'entend jamais hein, quand on est au volant. La conclusion hâtive, là on est dans la généralisation hâtive. La conclusion hâtive, c'est tirer des conclusions sans considérer équitablement les preuves pertinentes et facilement accessibles. Exemple, dans ce cadre-là, elle veut que les moyens de contraception soient tous remboursés, quelle traînée. Le juste milieu. Eh bien, comme les deux arguments opposés ont tous les deux du bon, croire que la vérité se situe quelque part entre les deux. Alors, exemple, j'ai abîmé l'arrière de votre voiture, mais je ne pense pas que je devrais payer les dégâts, parce que vous pensez que moi, je dois régler la totalité de la facture, mais bon, en gros, un compromis pourrait être tout à fait adapté. La solution parfaite, dans ce cas-là, c'est présupposer que le seul but est la solution parfaite. Et rejeter tout ce qui ne résout pas le problème de manière idéale. Prenons un exemple. Quel est le but de toutes ces campagnes d'information contre l'alcool au volant? Les gens, de toute façon, continueront de conduire en état d'ivresse, quoi que nous fassions. On va passer. Alors, ensuite, tout ce qui va concerner les techniques de manipulation du contenu. Alors là, on va peut-être passer assez vite. Je voudrais juste insister dans ce cadre-là sur les deux premières, c'est-à-dire dans ce cas-là, tout ce qui va concerner le sauvetage ad hoc. Alors ça, c'est quoi? C'est essayer de sauver une certitude qui nous est chère en changeant les arguments de manière répétée pour en justifier les défauts. Exemple, à part un meilleur système sanitaire, la médecine, l'éducation, l'irrigation des maisons, une meilleure santé publique, des routes, un système d'eau potable et l'ordre public, ben finalement, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté les Romains? La pétition de principe, c'est omettre des facteurs importants et soutenir la véracité de sa déclaration sans aucune preuve que la conclusion, que la conclusion de sa propre déclaration. Exemple, toutes les drogues dangereuses sont illégales. C'est pour cette raison qu'elles sont illégales. D'accord? Donc, en fait, je vous dis, on pourra développer un peu ces éléments, mais on s'aperçoit que toutes ces techniques de manipulation du contenu, ces techniques de déduction erronée, ces techniques de manipulation de l'esprit, sont des techniques qu'on a tous tendance à utiliser, qu'on a tous tendance à mettre en œuvre. Alors là, bon, je vous les ai toutes citées, c'est pour ça que ça fait un peu catalogue, on ne va pas toutes les développer, mais je répète, je pourrais vous adresser des exemples précis pour chacune d'entre elles. Mais toutes ces techniques vont viser finalement à manipuler l'autre dans le seul objectif
que l'autre soit d'accord avec nous, de l'allier à notre cause. Donc l'objectif, c'est d'essayer d'en avoir conscience, de ne pas se laisser avoir par ces techniques de manipulation quand c'est l'autre qui l'utilise, et puis, comme on l'évoquait tout à l'heure, arriver à prendre assez de distance et de recul au niveau émotionnel pour ne pas se laisser bouffer par nos propres émotions. Alors, on va passer un peu sur tous ces éléments. Il y a des techniques d'appel aux émotions, des techniques de confusion entre cause et effet, et des techniques d'attaque. Je vous dis, on pourrait y revenir si ça vous intéresse. En conclusion, qu'est-ce qu'on pourrait dire? En conclusion, on pourrait dire qu'il existe en gros 10 commandements de l'argumentation logique. Premier argument, ne jamais attaquer la personne directement, mais plutôt ses arguments. En quoi ces arguments ne tiennent pas la route? Et on l'a vu, là, vous avez quand même beaucoup d'éléments sur lesquels travailler. Ne jamais déformer ou exagérer les arguments d'une personne afin de les rendre plus faciles à attaquer. Là aussi, on a tous tendance à faire ça, et finalement, ça nous dessert. Et là encore, on va plutôt aller dans ce cadre-là vers une dynamique émotionnelle et pas sur une dynamique cognitive. C'est ça qu'on va chercher à mettre en œuvre. Ne jamais utiliser l'exception pour dénoncer la règle, bien entendu. Et là aussi, je vous renvoie à nos fameux discours des politiciens qui vont enlever un élément du discours de l'autre pour dire il y a ça, il y a ça, il y a ça que vous avez dit, alors qu'en fait, ça a été une phrase dans le discours. Ne jamais affirmer que votre conclusion est juste, juste parce que l'une de vos hypothèses est juste. On le sait, pour tous ceux qui font de la recherche, effectivement, ça ne veut pas dire qu'une hypothèse est juste, ça ne veut pas dire que la conclusion est valable. Ne jamais prétendre que parce que quelque chose s'est produit d'abord, il doit s'agir de la cause. On l'a vu, le Covid a fait une véritable pandémie. Au départ, on a dit, ah oui, mais c'est parce que les Chinois, ils ont mangé du pangolin. Après, on a dit, mais c'est parce que les Chinois, ils ont mangé des chauves-souris. Après, on a dit, mais c'est parce qu'il y a eu un laboratoire qui a fabriqué le virus. Bref, quoi qu'il en soit, il y a une pandémie. Effectivement, il s'est passé peut-être le fait qu'il y en ait qui mangeaient du pangolin ou des chauves-souris. Maintenant, est-ce que c'est vraiment la cause? Personnellement, j'en sais rien. Ne jamais réduire un problème à seulement deux solutions. On s'aperçoit, et on le sait, quelque part on est bien placé à partir du moment où on est psychothérapeute, on n'est jamais dans du vrai-faux, on n'est jamais dans du on-off hein, dans ce cadre-là. Ne jamais aussi soutenir qu'en l'absence de preuves, une information est vraie ou fausse. On ne sait pas. On va voir, on peut laisser la part de doute, et là encore, on se rapproche un petit peu de la dynamique de pleine conscience, d'accord? On prend cette distance, on regarde, mais on n'est pas dans des conclusions nécessaires à chaque fois. Ne jamais soutenir qu'en l'absence de preuves, une affirmation est une fausse, on s'en vient de le dire. Il vous appartient de prouver ce que vous avancez. Ne jamais faire porter le fardeau de la preuve à celui qui remet en question votre croyance. Là encore, regardez les discours politiques avec cette grille de lecture, et je vous assure que vous allez étudier les discours de nos chers élus d'une manière un petit peu différente, hein, quel que soit leur bord. Ne jamais présumer que ceci suit absolument cela quand les deux ne sont pas reliés par la logique. Là encore, on est dans une démarche adaptée, on est dans une démarche scientifique, n'oublions pas, hein, en TCC, on est dans une dynamique où tout ce qu'on propose, il faut qu'on puisse en prouver l'existence, il faut qu'on puisse en prouver la capacité de se mettre en place. Et enfin, ne jamais affirmer que parce qu'une croyance est populaire, alors elle doit être vraie. Hein, on n'est pas dans une dynamique où tout le monde croit ça, alors effectivement, c'est vrai. Alors, on a essayé de développer très rapidement, hein, puisque 1 heure, c'est bref, pas mal de techniques, pas mal de petites stratégies. Et en conclusion générale, eh bien, on terminera sur un autre philosophe. Si rien de tout cela n'en fonctionne, à ce moment-là, faites appel à un vrai professionnel. Je vous remercie pour votre attention et eh bien, je vais rendre la main à nos animateurs s'il y a des questions auxquelles on doit répondre. Merci beaucoup, docteur Palazzolo, pour cette présentation qui était passionnante.
Alors, j'ai Pierre-Luigi qui voulait intervenir pour vous remercier, mais je pense qu'il y a un petit souci de connexion. Donc, le temps qu'il puisse se reconnecter et nous rejoindre pour vous remercier comme il se doit, je vous propose donc de vous poser les questions qui ont été le plus plébiscitées par l'auditoire. Alors, donc la question qui a obtenu le plus de votes, je vous la pose tout de suite. Donc, est-ce que les décharges motrices sont plutôt à conseiller ou à déconseiller dans le cadre de la gestion de la colère? Alors, les décharges motrices, tout dépend quel type de décharge motrice. C'est-à-dire qu'une décharge motrice, c'est-à-dire taper sur la personne qui vous énerve, là, c'est plutôt à déconseiller, parce que ce n'est pas quelque chose qui va améliorer les choses. Maintenant, une décharge motrice de type se mettre à crier ou se mettre à aller faire 1 heure de jogging, pourquoi pas? En fait, l'objectif, c'est là encore, c'est ce qu'on évoquait, c'est arriver à prendre un peu de distance et de recul. C'est-à-dire que même s'il y a une décharge motrice qui rentre en ligne de compte, l'objectif, c'est que cette décharge motrice soit adaptée et soit cohérente avec nos valeurs et notre cognition. Voilà, c'est ça qui est nécessaire. C'est-à-dire ne pas se dire ensuite, je regrette d'avoir fait ça, je regrette de m'être conduit comme ça. C'est ce qu'on disait hein, tout à l'heure, il faut garder une certaine souplesse. À partir du moment où on travaille avec les émotions, et on le sait, pas uniquement dans le domaine de la communication là qu'on vient de faire, mais dans le domaine des émotions, il faut qu'on soit souple. On ne peut pas dire au patient, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Alors effectivement, moi j'aurais tendance à dire, pour ce qui me concerne, que la démarche motrice, je préfère éviter et plutôt être dans une dynamique de respiration, de prise de distance, de prise de recul. Mais il y a des fois où, pourquoi pas, hein, ça peut être adapté, hein. Merci beaucoup. Merci pour cette réponse très complète. Deuxième question, quelles sont les spécificités de l'expression et de la gestion de la colère chez les enfants? Ouf, vaste sujet. Alors, difficile. On a encore 3 heures là de webinar à peu près, hein, c'est ça? En Un fait, petit ben peu moins. la problématique chez l'enfant, mais en fait, ça rejoint la question précédente, c'est-à-dire que l'enfant, par définition, il va être beaucoup dans la dynamique physique. Dans la dynamique de l'explosion. C'est-à-dire que l'enfant, il va avoir du mal à prendre de la distance et du recul et à travailler souvent sur quelque chose de très cognitif. L'enfant, ses émotions, il les exprime directement. Hein, et que ce soit des bonnes ou des mauvaises d'ailleurs. Hein, parfois, vous pouvez avoir un enfant qui se met à pleurer tout simplement parce qu'il est content. Donc, dans ce cadre, l'objectif, ben, c'est d'essayer de les amener à travailler. Alors, moi, je ne suis pas spécialiste hein, de tout ce qui est pédopsie, mais les collègues qui travaillent là-dessus ben, les amènent à travailler justement sur tout ce qui est gestion émotionnelle. Alors, souvent par des techniques respiratoires, souvent par des techniques de lâcher un peu prise, souvent par des techniques, on en parlait, de distraction. Et ça peut être très intéressant en essayant de favoriser tout ce qui va être estime de soi. Hein. L'enfant, à partir du moment où on lui fait du renforcement positif, ben, en général, ça fonctionne plutôt bien. Super, merci beaucoup. Alors peut-être une dernière question avant de clore malheureusement puisque le temps passe très vite. Donc une autre question largement plébiscitée. Que pensez-vous du time off où la personne s'isole le temps que l'émotion redescende? Alors oui, ça c'est quelque chose qui peut être très utilisé, qui d'ailleurs est une technique thérapeutique. Hein. Si on va au maximum de cette utilisation, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur l'utilisation dans certains services hospitaliers de la chambre d'isolement, où on va isoler la personne qui va être dans une décharge émotionnelle énorme, et au bout de quelques temps, la personne s'apaise. Et effectivement, comme on le dit, il est difficile de s'énerver tout seul. Donc, dans ce contexte, effectivement, ça peut être quelque chose d'intéressant. Mais moi, je rajouterais quand même que ce time off peut être d'autant plus intéressant à partir du moment où la personne a déjà intégré certaines techniques. C'est-à-dire que si la personne est déjà rompue à des techniques respiratoires, si la personne est rompue à des techniques de relaxation, c'est mieux. Parce que sinon, ben, la personne va s'isoler pendant un temps. Bien sûr, ça va redescendre, mais une fois que la personne va sortir de son isolement, il est fort possible que ça reparte aussi fort qu'auparavant. Donc l'objectif, oui, pour un isolement émotionnel, mais un isolement émotionnel qui soit associé à quelque chose de concret. Voilà. Sinon, ça n'aura pas d'intérêt sur le très long cours, à mon sens. Ok, merci beaucoup.
Est-ce qu'on a le temps peut-être pour une dernière petite question? Allez, une toute petite. On nous demande, donc je rangeais l'agressivité dans la conséquence résultant de l'émotion. Vous disiez qu'il s'agissait d'une émotion. Pouvez-vous préciser? Alors là, il faut qu'on reprenne la première diapo avec la roue de Plutchik. Voilà. Donc en fait, selon la roue de Plutchik, on a au départ 8 émotions primaires. Et ces émotions primaires peuvent à ce moment-là s'associer entre elles et donner lieu à des émotions secondaires, voire tertiaires. Donc vous voyez que la colère fait partie d'une émotion primaire, l'agressivité, c'est une résultante. Voilà, donc on est dans le domaine des émotions, mais l'agressivité, effectivement, n'est pas une émotion primaire. Super, merci beaucoup pour cette précision. Bon, il y a encore plein de questions, mais malheureusement, il faut clore ici les échanges. Il y a beaucoup de messages, en tout cas de remerciements pour votre présentation. Moi, Merci à vous. je vais tout de Je suite donner voudrais. la parole à Pierluigi Graziani. Merci beaucoup. Oui, Jérôme. Je te Je te remercie remercie. pour cette performance ce soir. Hein. Et je voudrais rappeler à tout le monde qu'on peut te lire. Tu as sorti récemment, l'année dernière, le bouquin Gérer les conflits et l'agressivité, et que tu es, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, tu écris un bouquin tous les mois en ce moment. Hein. On te voit un peu partout, à la télé, dans les journaux. Donc voilà, on peut te lire facilement, très rapidement. Merci beaucoup pour cette soirée et je t'embrasse et on se revoit à Nice. Un très grand merci, un grand merci pour l'invitation. J'étais ravi de passer cette soirée avec vous.